Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous propose de continuer la série que j'avais commencé il y a plusieurs semaines. Découverte de boosters random de Cardass, de Ramicards, voilà. Donc aujourd'hui j'ai un autre paquet à vous montrer. Alors évidemment je vais pas vous montrer tous ces boosters en une seule fois parce que honnêtement il va y en avoir pour trop longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo en trois parties. On va splitter cet énorme paquet random en trois parties. Vous voyez, il y a encore les prix d'origine. Et bah, sans plus tarder, on va ouvrir ça. Alors, j'espère vraiment... Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les commentaires que vous m'avez laissés sur mes vidéos précédentes parce que il est vrai que des cartes qui datent des années 90... C'est un peu plus compliqué à trouver et j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ça avec vous. C'était souvent des licences d'ailleurs que je n'avais jamais vues. Peut-être que vous les aviez déjà vues. En tout cas, moi, c'était la totale découverte. Alors là, en matière de booster, il y a encore la dose, hein, vous voyez. Et il y a énormément de licences différentes, sachant qu'il doit y avoir de la Ramicard, de la N-Sky, peut-être de la Cardass. Bref, on va voir. Allez, on va splitter ça en trois tranquillement. Il y a des boosters qui sont sacrément épais, vous voyez. Donc, à mon avis, on va commencer. Allez, on va commencer tac, tac, tac. Allez, on partage à peu près comme ceci. Voilà, hein, comme ça. Comme ça, on va faire ça une autre fois. Ça aussi. Je vais poser ça sur le côté et on va s'attaquer à ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de licences différentes, mais c'est pas bien grave. De toute façon, on va toutes les voir. Ouh, il y a des belles choses. Ouh, il y a des trucs inconnus là encore. Hein. Allez, on attaque par celui-là. Celui-là. Oh, du Godzilla. Génial, génial, génial. Ah, ça, je suis super content. Petit clin d'œil à Rorokun, à Toy Kitsch, à Indiana Toys aussi. Je sais que le gros lézard remporte beaucoup de succès. On adore ce Godzilla. Alors, là, on va être sur quoi? Donc, ça date des années... Donc, 96. Alors là, on attaque vraiment des trucs ultra vieux. Je crois que c'est mon record, 96. J'en avais pas eu de plus vieille. Et là, on est sur Eternal Melody. Eternal Melody, voilà. Donc, inconnu au bataillon, honnêtement. Donc, ça devait être à peu près 400 yens le... Ouais, 390 yens le booster. Et on est parti. Donc là, on est sur de la Ramicard. Voilà, hein, donc les petites illustrations à l'ancienne qui vont bien. Donc on va se mettre comme ceci, voilà. Et là, on regarde ensemble ce que ça donne. Donc des illustrations avec des personnages. Donc, somme toute, très classique hein, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. On est vraiment très très loin de ce que maintenant nous voyons notamment dans les Dragon Ball et compagnie. Hein. Il n'y a pas d'effet, ce sont souvent soit des screenshots, soit des artworks, mais c'est quand même sympa de voir ce genre de cartes, parce que je crois que ça ne se fait plus. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez encore des séries qui s'approchent en fait de ce type de design. Honnêtement, moi j'en ai pas vu depuis très très longtemps. J'en avais jamais vu puisque bon, ce sont des séries certes relativement inconnues chez nous, mais je dois vous avouer que dans les rayons de marchands de cartes ou sur internet, c'est pas le genre de cartes que je cherche, donc je ne sais pas si ça existe toujours. Quoi qu'il en soit, les illustrations sont toujours aussi sympas. C'est dommage qu'on ne sache pas ou qu'on n'ait pas finalement moyen de savoir quel était le thème de la licence d'origine, puisque bon, beaucoup de choses n'ont jamais été traduites, hein, c'est normal, c'est pour le marché vraiment. Ce artwork-là n'est pas terrible, hein, honnêtement, là c'est un peu raté, je trouve. Bon, y a beaucoup de choses qui étaient vraiment que pour le marché japonais, et ça se comprend, après... c'est normal, quelque part. Mais il y a quand même des trucs, j'avoue, j'aurais bien aimé connaître ça en import. Bref, donc là, on est sur une série qui est pas... Je sais pas pour vous, mais moi, Eternal Melody ne me laissera pas un souvenir éternel. Hein. C'est pas le... C'est le design... Oh,
Non, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est pas terrible, je trouve. Bon, après, c'est quand même toujours aussi sympa de pouvoir découvrir des cartes nouvelles. Alors, là, on a du Godzilla, mais Godzilla, franchement, j'ai trop envie de le garder pour la fin parce que c'est vraiment une licence que j'adore. Et là, on a quatre licences, donc Cardass Master G. Et là, on a du Cardass Master avec je sais pas trop quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le gros paquet et après, on va se faire cela, la Magical Paradise. Il y a quatre boosters. Bon, bah, on va voir ça. Alors, on attaque par Original Cardass, donc troisième anniversaire Original Cardass Masters. Donc ça m'a l'air d'être une compilation de plein de licences, parce que là, je vois du Evangelion, Kinnikuman, Slayers, je crois que ça, c'est Seiyuki, je suis pas sûr. Après, il y en a d'autres, je les connais pas. Et derrière, on a quoi? On a, oui, bon, on a plusieurs studios, donc c'est bien ce que je pensais. On a plusieurs Not for sale. Ah ouais, tiens donc, c'était peut-être des trucs de promo. Bon, on va voir. Là, j'espère qu'on va avoir des belles illustrations. En tout cas, les cartes sont vraiment dans une qualité, mais alors extraordinaire, je trouve. Et là, ça date de 97. Voilà, 97. Les cartes sont neuves. Les cartes sont véritablement neuves. Donc ça fait ultra plaisir. Alors, troisième anniversaire. Donc là, on a déjà un petit effet. Un petit effet avec du volume en plus. Et donc, on est sur une carte avec un effet gold. Ça rend plutôt bien. Alors cet animé-là, à mon avis, ça doit être le même auteur que Senseiya. Au niveau du visage, ça ressemble énormément. Par contre, pas sûr que ce soit Senseiya. Non, c'est BTX. Oui, c'est du Kurumada. Ah, et puis derrière, ah bah derrière en même temps, ça fait un Pulse. Ça fait un Pulse. Vous voyez, là, il y a un début de visuel. Donc ça, Senseiya, enfin Kurumada avait fait aussi effectivement BTX. Je crois qu'il l'avait fait juste après ou juste avant. Je me souviens plus très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de ça. Donc ça, alors ça se prend comme ça, non? J'aurais tendance à dire que ça se prend comme ça, mais bon. C'est quoi? C'est du Orange Road, non? Bah alors là, c'est difficile de savoir. Par contre, il y a un truc qui peut être intéressant. Vous voyez ce que je vois? Ouh, ça peut être sympa. Alors ça peut être sympa, peut-être qu'on aura le visuel complet. Je vais le laisser comme ceci. Donc là, je ne sais pas quel est cet animé. Haruhiko Mikimoto, je ne sais pas, je ne sais pas. À mon avis, ça doit être la mascotte. Alors là, c'est quoi? C'est du bastard ou... je me souviens plus, je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas. Alors là, dites-moi, je suis sûr que vous connaissez ça, j'en suis certain. Maintenant, moi, je ne m'en souviens absolument pas. Par contre, ce que je constate, c'est qu'on a peut-être la totale en matière de Pulse. Ça serait cool. Ensuite, cette licence-là, inconnue au bataillon, numéro 4. Elle va ici, la numéro 4. À mon avis, ça va être bon. Donc ça, c'est Evangelion, hein. Inutile de présenter cet animé. Et là, Evangelion. Ça va ici. Ok. Ensuite, là, nous avons quoi? Nous avons... C'est pas Slayers, ça? Non, c'est pas Slayers, les sirènes. Je ne sais pas. Suezen, je ne sais pas. Je ne connaissais pas. Et là, on commence à avoir un petit aperçu de la mascotte. Alors là, je vais remonter. Enfin, c'est peut-être pas la mascotte, hein, honnêtement. C'est le visuel qu'on met derrière. J'aime bien quand ça fait ce genre de truc. Alors ensuite, on continue avec cette licence-là. Ah, je connais ça. À chaque fois, je me fais avoir. Je le connais, ce personnage-là. Je sais jamais le retrouver. Bon, bah, c'est pas bien grave. Donc là. Ça va être le phénix. Voilà, le phénix. On va terminer la queue du phénix.
Ça ressemble beaucoup à Lodos en version SD5, non? On va voir. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ces cartes-là étaient sorties pour Shonen à 3e anniversaire. Donc là, bon, Kinnikuman, hein, inutile de le présenter. Et voilà. Et là, on a terminé, en fait, la première version. Enfin, le premier grand visuel. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vous le montrer. Mais en gros, vous avez à peu près le visuel là. Hein. Bon, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis désolé. Mais voilà quelle tête a le phénix quand on reconstitue son visuel à partir de l'arrière des 9 premières cartes. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est le même visuel. Hein. On va juste regarder. Il fait la même tête. Ouais. Bon, ok. Alors, du coup, ces cartes-là. Donc, on avait les 9 premières. Donc, les 9 premières nous permettent de faire le phénix comme ceci. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va enchaîner les autres. Alors, les autres. Justement. Donc, nous avons ce visuel ci-dessous. Donc, versus. Alors là, je ne sais pas quel est le nom. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à reconnaître à partir soit de l'auteur ou du nom, ou éventuellement, enfin, et surtout même du dessin, de quelle série s'agit-il? Ça, je pensais que c'était Seiyuki, mais non, c'est pas Seiyuki. Donc, je ne sais pas du tout à quoi correspond ce visuel-là. Celui-ci encore moins, avec le lapin. Bon, je ne vais pas vous montrer l'arrière à chaque fois parce que bon, c'est à chaque fois une partie du visuel du phénix. Donc là, on est sur quoi? Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je vais quand même montrer comics. Moi, ouais, je ne sais pas. Keita Hirose. Je suis sûr qu'en recherchant avec les noms des auteurs, on retrouvera. Ça, je crois que c'est Nadeshiko, non? Ah, quoique non, non, je vais pas dire des conneries. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Sympa. Quel est l'auteur? Yahata. Vous connaissez pas. Celui-ci non plus. Très coloré cette carte-là. Très sympa d'ailleurs. Et c'est Ogishima. Ah, ça c'est. C'est pas Eizu. Attendez. Otsuka. Eiji Otsuka. Ah non, je pensais que c'était l'autre auteur de l'horreur. Bon, bah, c'est pas grave, mais en tout cas, j'aime bien ça. J'aime bien le design. C'est bien bien glauque. Ça, je vois pas du tout ce que c'est. Natsumoto, je ne sais pas. En tout cas, la carte, elle est plutôt cool. J'aime bien les personnages. Un manga de sport. Bon, pas de nom. Et le dernier, je ne sais pas non plus. Alors, il y a vraiment plein de trucs qui sont pas sortis. Ou alors, je suis complètement inculte. Mais bon, vous savez, hein, sur les cartes qui datent des années 90, faut s'accrocher en matière de culture manga anime. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont jamais sorties chez nous. Et chapeau bas à ceux qui vont trouver les noms de ces différents personnages. Alors, Magical Paradise. Donc là, on est sur du Bandai. Donc, on est sur de la Cardass Master G. Ok. J'avais pas vérifié, mais tout à l'heure, juste, il n'y avait pas la répartition. Donc, je ne sais pas combien il y avait de cartes. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il y en avait 20. C'est ce qu'il y avait indiqué dans le. Sur l'arrière du booster, et là non plus, il n'y avait pas la répartition. En revanche, sur ce booster-là, il y a la répartition, donc 180 cartes, 150, 30. 4, 4, 2, ça doit être les cachets ou les super, je ne sais pas. Et ben, ça a l'air pas mal, en tout cas, comme petit visuel. Allez, on y va. Voyons en détail de quoi il s'agit. Donc déjà, c'est très girly, c'est très rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être les règles.
les règles de jeu, très probablement. Avec la notice, voilà, on a les règles du jeu là. Donc là, c'est les règles et ça date de 99. 99, règle V1. Ensuite, nous avons peut-être la checklist. Non, on n'a pas la checklist des cartes. Alors, voyons en détail de quoi est composé le design de ces différentes cartes. Donc, nous avons la numéro 160. Ok. C'est Tenki Bandai, en fait. Tenki Bandai. Jamais vu ça. Ok, donc ça, c'est une carte de pouvoir. Ça y ressemble aussi. Ouais, c'est pas... peut mieux faire. En tout cas, les cartes sont très très fines, hein, vous voyez. C'est vraiment ultra fin et elles sont mates. Ce qui change en fait par rapport aux autres cartes avec les illustrations qui sont toutes brillantes. Et je dois vous avouer que là, le design, il est pas foufou. Hein, vous voyez, les effets là, c'est pas... ça va pas chercher très loin. C'est pas bien grave, hein, on est là pour découvrir, mais je dois vous avouer que à force de voir des cartes différentes, bah, on commence à être un peu exigeant et c'est normal. Donc là, on a encore les cartes avec la petite règle et allons-y pour visualiser les illustrations. Alors, ouais, ok, oh, on dirait un peu la Mu. D'ailleurs, c'est peut-être elle, hein. Tout simplement. Ok. Ouais. J'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs animés. Hein. Je mettrai pas ma main à couper, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs animés quand même. Bon, Magical Paradise, j'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs licences. On va toutes les sortir comme ça. Ça ira un petit peu plus vite. Donc on va poser ça ici. Hop. Les règles, on les pose à côté. Je vais pas vous faire la lecture des règles, j'en serais complètement incapable. Voilà. Alors, regardons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc, ok. Ouais. C'est très inégal en matière de design. Hein. Il y a des trucs qui sont chouettes et puis il y en a d'autres. Bof bof. Hein. Puis il y a des trucs complètement hideux. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est bizarre. Avec la barre bleue là. C'est étrange. Hein. Ouais. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. Ok. Ok, dites-moi ce que vous pensez des visuels. Celle-ci, on l'avait vu. Celle-ci aussi. Là, bon, ouais, bof. Ouais, un peu bariolé. Celle-ci, on l'avait déjà vu. Et celle-ci aussi. Ouais, dites-moi ce que vous pensez, en fait, de cette série de cartes. Dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Donc, voilà un petit peu l'arrière. Tout rose. Avec le nom de la licence. Et on termine par le lézard, le Godzilla. Et j'ai l'impression que les boosters sont neufs. Ah non, non, ils sont tellement bien aplatis que... Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être... ouais, ce que je vais faire, c'est que... je vais les déballer tous, comme ça. En tout cas, ils étaient super bien ouverts. Ça date de quelle année? Ça date de... 4... Ah, il n'y a pas la... il n'y a pas l'année. Il n'y a pas l'année. Ah, mince. J'aurais bien aimé savoir de quelle année dataient ces cartes. Bon, dommage. Parce que peut-être que là... voilà, là, il y avait un petit truc à l'intérieur. Peut-être 2002. Vous voyez, là, il y a une inscription 2002. Donc, ça ne doit pas être si vieux que ça, en fait. Enfin, 2002, ça commence à dater quand même. Hein. Alors, voilà. Ah non, on se spoil là. Ouais, on se spoil pas. Donc, à chaque fois, en fait, dans chaque booster, c'est marrant, ils gardent la petite...
la petite feuille avec le point en fait. Parce que j'imagine que quand vous essayiez d'avoir les points là, un nombre de points, vous deviez pouvoir décrocher des cartes peut-être, je ne sais pas. 500 points, 200 points, 100 points, je ne sais pas. Ou peut-être pour une loterie, je ne sais pas. En tout cas, c'est marrant parce que même sur les boosters déjà ouverts, bah, il laissait les points, quoi. Alors, allons-y. Maintenant, on passe au vif du sujet, à savoir le Godzilla, le roi des monstres. Voilà. Alors, oh, c'est beau. Ah, oh, c'est beau. Bon, alors évidemment, il y a mieux hein, comme design. Donc ça date de 2002, c'est Toho Pictures, voilà, donc on a la réponse, donc c'est pas trop récent, mais en même temps c'est pas si vieux que ça. Et on a des screenshots, j'imagine, des différents films Godzilla. Ah ça, je suis carrément fan. J'aimerais bien trouver... Ah, en plus, il y a les vieux aussi. Il y a les vieux. Alors, Mecha Godzilla, ensuite lui, je ne me souviens pas, donc dites-moi dans les commentaires pareil, si vous connaissez par cœur les noms des personnages Godzilla, ne vous gênez pas. Donc là, je sais que c'est le papillon, je sais plus trop comment il s'appelle. On me l'avait dit, je me souviens, dans une de mes vidéos que j'avais fait, compte rendu d'achat du Japon, mais j'ai dû zapper, j'ai dû zapper. Bon, là, on la voit encore. Franchement, c'est super classe. Qu'est-ce que j'aimerais avoir la collection complète. Donc là, c'est encore Godzilla qui croque dans je sais pas trop quoi. Une partie d'un train, d'un avion. Ouais, d'un avion. Un avion qui va dans ce sens-là. Franchement, c'est super cool. Oh, j'adore. J'adore. Franchement, les cartes, elles sont assez laides. Mais les illustrations, bon, en fait, ce sont des screenshots. Hein. Un screenshot d'un personnage comme ça, quoi. Mais c'est tellement kitschissime. Oh là 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 là. Comme c'est glauque. Ah bah là, c'est le fameux avion qui se faisait croquer juste avant. On le reconnaît. La base. Bon, bah là, je pense que vous l'aurez tout de suite reconnu, hein. Godzilla. Mecha Godzilla. À nouveau, le papillon qui s'est fait soit la tour Eiffel, soit la tour de Tokyo. Celui-ci est vraiment vilain. Ah, le Godzilla qui est en train de cracher son rayon. Celle-ci, on l'avait déjà. Oh, c'est vraiment vilain, c'est tout glauque. Ça me fait trop bizarre de voir ça. Ouais, pas mal. Encore une maquette de l'avion. Et pour terminer cette vidéo, une petite carte dorée. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup hein, parce que c'est vraiment très discret. Donc c'est ici et ici de Godzilla, le roi des monstres. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette découverte de vieilles cartes Cardass vous aura plu, des Ramicards aussi. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on a pu voir et découvrir ensemble. Alors certes, ce sont peut-être pas les plus belles qu'on ait eu l'occasion de découvrir, mais je dois vous avouer, c'était quand même très sympa de voir un petit peu ces illustrations, d'autant qu'on a pu reconstituer le puzzle du Phénix à l'arrière. Bah écoutez, j'attends vraiment vos commentaires pour me dire, un, est-ce que vous connaissiez ces différentes illustrations et surtout les animés à partir desquels ils sont tirés. Godzilla, bah, j'attends les noms hein, des monstres, hein, évidemment. Et puis, bah, dites-moi si vous avez aimé, tout simplement, en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis, portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye bye!